Bonsoir. Comment que ça va bien? Je suis tout seul sur le vocal, sur le mumble. Timmy est parti manger. Il reviendra plus tard. Je sais pas dans combien de temps, mais bon. Et donc, ce soir, Mister Stone a déjà deviné le jeu. Ce soir, est-ce que mon micro fonctionne? Oui. Ce soir, on joue un jeu dont on ne voit pas le titre. C'est magnifique. Avec des grenouilles. On entend correctement la musique et ma voix, etc. Tout va bien. Y a pas de problème. Si je commence une partie, est-ce qu'on verra le titre du jeu? Je ne sais pas. Si ça ne s'affiche pas, je vous dirai le titre du jeu quand même. Si vous avez toujours pas vu l'info sur Xbox. Bon allez, c'est parti. La caméra, ça fonctionne, c'est parfait. Faut que je retrouve comment on y joue. Donc, on voit pas le titre du jeu. Bref. Le jeu, c'est Papo IO, hein, bien sûr. Avec une musique géniale. Alors, Papoio, un jeu qui est beau, qui est joli, avec des effets de lumière de folie, mais c'est joli aussi à travers les feuilles, en principe. Ouais, c'est beau. Ah, c'est beau. Bref. Donc voilà, je sais plus trop comment si. Ah oui, le petit il s'appelle Kiko, il me semble. Voilà, le petit Kiko qui était chez lui, et puis il y avait un monstre chez lui, et puis paf, il y a un portail dans le mur du placard, normal. Passe à travers et se retrouve dans un autre monde. J'ai Hitbox qui bug un petit peu. Voilà. Non, ça va, c'est revenu. C'est revenu, c'est parfait. Alors, comment qu'on joue, je sais plus. Appuie sur X. Relâche. Voilà le genre de choses qu'on fait dans ce jeu. Voilà. Donc, une histoire qui se déroule dans les favelas. J'aime beaucoup. Il y a de quoi faire des dessins rigolos comme ça. Ah, tiens, il n'y a pas de bouton pour remettre la caméra derrière.
Où est-ce que je vais? Par là ou Ouais, non, par là. Alors, il y a un bouton pour sauter, tout à fait, il y a un bouton pour sauter. Bidou. Une boîte. Oh mon Dieu. Je suis une boîte à Alice. Ensuite. Voilà, c'est rigolo. Un truc ici, au fait. Bon, sûrement pour plus tard. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Black et d'équerre. Coucou Black. Oh, le film est très bien. Il est très bien ce film. Ça bouge beaucoup. Enfin, tu verras. Passe à travers le ballon. C'est bizarre. Il n'y a pas un bouton pour le lancer. Y, ça fait quelque chose ou pas? Non, ça fait rien. Ici. Oh! Des grenouilles. Des choses là-haut ou pas? Oh, ça bouge! Des poupées un peu partout dans le jeu là. Je crois que c'est pas très important. Puis on passe à travers, c'est magnifique. Remarque. Non, on peut rien faire avec. Ce jeu a une bande son magnifique. Panorama. J'ai eu des papillons aussi, non? Non. Il y avait des papillons disparus. Ah, c'est vous, Temen, Milan Mendoza Núñez. Ah merde. Pas très malin, ça, les bulles qu'on ne voit pas si on ne les regarde pas. Pour rater des dialogues comme ça. Alors. J'adore ces grenouilles, elles sont trop géniales. Si j'arrive en chaud. Ouais. Voilà. J'adore ces grenouilles. Elles sont géniales.
Alors. Kichou veut manger un gâteau. Pourquoi pas? Alors, on a aussi des jolis dessins comme ça sur les murs. Hein, ça peut vous donner des idées. Alors, ah, hein, tout ce qui se passe dans ce jeu est complètement normal. Voilà. Ralenti de la mort. Voilà. Non, ça continue toujours. Non, c'est terminé. Où suis-je? Oui, ok. Bonsoir, Tim. Bonsoir le live. Voilà, Tim est présent, il est Bonsoir. là. Donc alors au début du jeu, t'as pas vu, le petit gars, il est dans sa chambre, et dans sa chambre, dans le placard, et il y a une chose, c'est lui envoie une lettre. Non. Il y a un espèce de monstre de l'autre côté de la porte, et là il y a un portail qui apparaît sur le mur, normal. Il passe à travers, il se retrouve dans un autre monde, tout va bien. Là c'est le petit monde parallèle. Va falloir monter le volume de ton micro parce qu'on t'entend pas beaucoup. Allô? Allô? Alors, donc, non, si j'utilise ça. C'est trop génial. Non, c'est pareil. Ok, donc j'ai mis un petit bâtiment ici. Oui, non, mais on t'entend toujours aussi peu, hein. C'est même pire. Je sais pas du tout ce que je fais, c'est rigolo. Tant pis. Alors, bonsoir Tsuko. Bonsoir les gens du live, je vous ai pas dit bonjour. Coucou Drake. Je pourrais pas dessiner ce soir, malheureusement. J'ai du ah oui, Tim, il est là, mais il est pas là. Dans un mois, je pourrais faire du dessin. Là. C'était un peu loin. C'est quoi le jeu? C'est Papo Io.
ils sont partis où les autres? Ah mais il reste une maison là-bas, là. Ça sert à quelque chose? On n'entend rien quand tu parles, hein, tu sais. Oh mon dieu, allô? Oui, oui, mais c'est très faible. Bon, je suis malade. Tu es malade? Je vais tousser ce soir. D'accord. Mais je t'entendais bien tout à l'heure, comment ça se fait? Je sais pas. T'as mis l'ampli de Mumble à fond? Bah oui. Sinon le micro lui-même, son volume d'enregistrement, je sais pas, dans les périphériques d'enregistrement, Windows, tout ça. Je sais pas. Je l'ai checké, mais je l'ai déjà monté normalement. Au pire, mets le micro dans ta bouche. C'est limite déjà le cas en fait. Bon, alors je suis en train de visiter pour rien du tout là. Donc, allô. Est-ce que oui, bonsoir. Oui, c'est mieux. Enfin, c'est un peu mieux. D'accord. Je peux monter encore. Voilà, je peux pas pousser. C'est bon. C'est le bon, c'est spécial. Je sais pas, moi on m'entend bien sur le live, les gens. Par rapport à la musique. J'ai un micro pourri, j'ai une. Ça sert à quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Alors, pouf, donc, je peux baisser le son du jeu. Alors, comme ça. Bidou, je peux monter le son des micros. Il faudra que je baisse le son du mien. Micro. Paf. Tu baissais un peu mon micro, alors je sais pas trop si c'est pareil ou pas. Voilà. J'ai l'impression que c'est pareil. Bon.
Absolument rien ici. À part un joli dessin. On n'a plus de musique, c'est fini. Oh, un succès. GG. En principe, ça va se voir. Les peintures sont vraiment très belles. On voit les succès sur le live. Par terre, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Jusqu'à minuit, Kichou, c'est marqué au-dessus du live, du chat. Bon, en principe, c'est jusqu'à minuit, après je sais pas quand j'aurai fini le jeu. Oula. Il ralentit dans ce jeu, c'est magnifique. D'accord. Je peux aller dessus là? Bah non, bah non. Retour de la musique. Bon, sinon il y en avait un autre. Ça fait quoi ça? Ah, déjà venu ici. Question. Si tu tombes là comme un con, faut te recommencer? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Comment on remonte? On se
poser ce genre de questions, quand même. Enfin, ah bah oui, et maintenant j'ai le double saut, donc ouais, c'est bon, y a aucun problème. Ça trop génial. Ralenti là, c'est joyeux. Beau dessin là. Ralenti de la mort, quoi. Nuit Tsuko. Bonne nuit. Donc il y a rien de spécial par là. D'accord, ok. Ensuite.
T'es en train de respirer dans ton micro, hein. Non, bah faut savoir. faut que je me rachète un micro. Alors, ok. Des trucs cachés. Enfin, ça, il me semble qu'il faut avoir fini le jeu une fois pour voir les secrets. La première fois, c'est pas la peine que j'y aille. Y a quoi en dessous? Y'a rien. Ça fait quoi? Il n'y a qu'une seule chaussure. Il a perdu sa veste aussi. Enfin, son uniforme décollé là. Deux secondes. Comment on va là-haut? Je m'en souviens plus. Là. Re-Blacky, c'était rapide. Oh, elle a disparu. Je regardais le chat. Oula, 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 doucement. Un peu de musique. On entend toujours correctement le jeu, c'est pas trop faible là, parce que je l'ai vachement baissé quand même. Non, non, ça va. Mais là, on t'entend bien là, Tim. Comment t'as fait? On m'entend bien là. Mais oui. Bah, je sais pas. Attends, je vais remonter un peu le son du jeu, parce que bon. Voilà quoi, hein, bon, bref. On va le mettre à. Je sais pas, comme ça, 15. Bref. Je vais remonter un petit peu. Oula! Revoici le monstre. Vu de près.
si je sais pas, si vous voulez dessiner le monstre, le voici. Alors. J'appuie sur un bouton là, je pense, en fait. Ouf. Ok, d'accord. Ça, c'était pas très normal. Oh. D'accord, ok, non. Faut vraiment ah ouais, quand même. Faut vraiment que la caméra soit dans le bon sens. Mon dieu, cette tête. Oh, il y avait un dessin, j'ai pas regardé. Oh. Donc. Noix de coco dorée, voilà. J'ai décidé que c'était une noix de coco dorée. Coupidou. Bref. Allez, viens. Mince, mais non. Bon, si je fais un chemin là comme ça, il y en a d'autres d'ailleurs ou pas là? Ça va sûrement repopper. Death. Allez, viens. Ciel. C'est beau. Qu'est-ce que je fais exactement? Ok, c'est-à-dire... Qu'est-ce que je fais? Et il bouge plus. Bon. Bilou. Lui donner toutes les notes coco là.
Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'en souviens plus. Ah, il reste une dernière là-haut. C'est peut-être ça. Hein. Voilà. 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 Mané au pape, au maton et au soucilo. Il me faudrait encore un fruit pour qu'il se mette là. Bah vas-y, passe à travers le mur. C'est vrai que ça repop à chaque fois.
Bon alors, qui dessine, qui fait du tricot, qui... Moi tout. Blacky, elle installe des jeux, voilà. Lulu, il fait un petit dessin. Ça sert à quoi ça? On dirait les grenouilles. Énorme. Alors Becky, le principe de ce live, c'est que tu commences à dessiner un truc. Que tu l'aies terminé ou non, tu nous montres ça avant minuit. Tu nous envoies un fichier pour voir si tu l'as terminé ou pas, tout ça, et puis voilà, comme ça on revoit les dessins des gens juste avant le prochain live. Enfin, au début du prochain live. D'ailleurs, pour Ori, là, il y a... Ouais, non, j'ai rien reçu. De supplémentaire. Mais non, mais... C'est pas grave si tu le termines pas. Ça fait quoi? Voilà, c'est complètement normal. Un nouveau dessin par là-bas. Ça fait quoi plus tard? Alors, si je mets quelque chose ici, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, je pense pas, il est trop occupé. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà?
pardon. Tim va mourir. Ah oui, mais là je décède. Rigolo. À quoi ça sert? Il y en a tout le temps ou Ah voilà. En fait, juste avant Avengers, là, j'ai vu la bande-annonce de des 4 Fantastiques. Voilà, ça faisait longtemps. Par rapport aux deux premiers films qu'on a eu là-dessus. Et puis, la bande-annonce de Ant-Man. Ça donne quoi, du coup? C'est-à-dire Ça a l'air bien. Oui. Voilà, on verra bien. Ant-Man qui fera partie de l'univers Avengers. D'accord. Tout comme Spider-Man un jour ou l'autre. Sinon, Avengers, t'en as pensé quoi? C'est bien. Enfin, c'est divertissant, quoi. C'est très la guerre. J'ai juste été un peu surpris par les dernières secondes, on va dire. As-tu vu les grenouilles de ce jeu? Non. Parce que moi, j'adore. Non, on peut leur faire des câlins, c'est trop bien. C'est trop génial, je veux une peluche pareille. Ah ouais. C'est trop génial. Mince, je voulais la lancer. Donc il y a un chemin qui s'est ouvert quelque part. Comment j'y vais? Je peux y aller là comme ça ou pas? Peut-être. Tout à fait. Oups. Voilà. Dieu.
Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Tu peux venir ici, là? Là, ça, là? Ah, voilà. Ah non, non, non. Voilà. Se votase, doso a dilama. Là, je rentre dedans. Voilà. Alors, nouveau flashback. Maemu, ton fa hapa o papo. Sa, noue? Leona, fa sola ya. Acheta no. Asu, omo? Asevo, fa sora su o papo. Ue? Sa ue ona y sedana. Amaye eta o chaman. Lea ete darahu. Sosan. Voilà, hein, vous n'osez pas dire sur le chat si vous comprenez un peu ce qui se passe.
Alors. Bonsoir Choka. Bonsoir Choka. Stone, il a pas oublié l'histoire. Alors Sister, je sais pas si t'es toujours dans le coin. Si tu as une théorie. Tu connais peut-être pas le jeu. Moi je sais qui est le monstre et... Et pourquoi ça énerve le monstre quand il mange les grenouilles, tout ça, tout ça. Alors. Que fais-je exactement? Ce jeu, je l'ai déjà fait en drawing game avec Nio il y a longtemps sur Twitch. En 2012. En 2012, la vache, ça vieillit pas. Ça. Les Drawing Game et les Draw Together, c'était en 2012. La vache. Ça rajeunit pas. Pendant toute l'année 2012. Je suis en suspense de voir l'analyse de Sister en fait. J'attends de voir s'il écrit quelque chose sur le chat. F. Donc le monstre il doit aller ici. Ça sert à rien. Ah, peut-être. Ah, putain. Alors, je vais réessayer, mais. Ça me semble un peu juste. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Oui, c'est vrai. Ah, mais oui. Ah, peut-être que si je fais ça... Peut-être que c'est suffisant. Ou pas du tout. Non, ça me semble très juste. Y a rien là-bas. Merde. Je reviens, je vais manger mon dessert. Je sais plus ce qu'il faut faire. Je te saute dessus. Voilà. Bon, c'est parfait. Alors. Ah oui.
Viens. Sister. Ou alors il nous écrit un roman, je sais pas. Ou alors mon chat déconne. Est-ce que mon chat fonctionne? Non, ça fonctionne. Alors où est-ce que je vais avec ça ? Si je vais là, je remonte. Alors là, j'ai une échelle. Là. Ah.
principe, il manque plus qu'une maison. Vivant. Ouais. Ça parle beaucoup sur le chat. Si, je suis toujours là. Je vais essayer de le faire venir là. Non. Ah. Si, je m'en souviens. Ah oui? Pourquoi? Non, parce que tu te rappelais plus du début, alors... ouais. Le début, je l'avais pas vu, je crois que j'étais arrivé sur le deuxième live que vous aviez fait avec moi. Ah bon? Il y a eu deux lives? Il me semble. Ou alors j'étais arrivé sur la fin de l'unique live, je sais plus. Il me semble qu'il y en a eu deux. Je sais plus, s'il y a trop longtemps. Je voulais seulement d'avoir ma tablette à l'époque. Il manque un truc ici. Ah, fallait juste la toucher. D'accord. Pardon.
Merde, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, tant pis. On recommence. Stone, je crois que tu as beaucoup de retard. Du coup, tu vas entendre ça dans 5 minutes, mais bon. Cette fois-ci, c'est au milieu. Bon, sinon, pour rester sur les Marvel, qui regarde la série Daredevil? Suis-je le seul? Je regarde pas. T'as Lulu. Daredevil, le héros. Enfin, le héros. Enfin, bon. Vous avez qu'à regarder. Aveugle. Qui voit quand même. Et pour Blackie, j'aime bien. En plus, il y a un acteur de l'effet papillon, donc lol. J'aime bien. Après, bon, je suis pas forcément fan des petits passages violents gore. Mais bon, c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Je sais même plus ce que je fais. Mais oui, mais bien sûr, on recommence. Sinon, j'ai absolument pas regardé la série Les Agents du Shield.
faudra peut-être que je regarde. Ils en ont fait une série. Oui, il y a une série. Produit les agents du... produit par les qui font Avengers et tout. Tout à fait. Ouais, faudrait que je regarde peut-être, vu que c'est lié aux Avengers, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Si je saute là comme ça, je tombe lamentablement dans le vide. Tout à fait, bah oui. Ça, ça fait quoi? Ok. On voit pas grand chose arriver comme ça, c'est pas pratique. Il est où l'autre machin? Il est justement en train de passer en dessous, c'est ça? Lol. Voilà. Bon, Daredevil, c'est surtout parce que j'avais vu le film, le premier film qu'il y a eu là-dessus. Certaine époque. Qui était bizarre. Ouais. Que... Non, moi j'avais bien aimé. Il y avait Elektra dedans aussi. Il y a eu un film Elektra juste après. Et dans ce Daredevil là, il y avait une vue similaire à la. À une Metroid. Des visions de Metroid Prime 2. D'ailleurs, dans la série Daredevil, la vue a changé. Ça n'a rien à voir. Sinon, Papa Oyo, ça vous plaît, ça va? On n'en parle absolument pas. Ce genre de jeu, j'ai envie de dire, on se tait et on regarde, en fait. Alors là, on a des grenouilles, ça va encore être la fête. On se l'avoir fini d'ici ce soir. Je sais plus, on va voir. On est de retour ici, parce que c'est logique, voilà. Pauvre robot. J'adore les effets de lumière. Mais non, mais j'ai bien... Ah. Bon, ouais.
Donc alors, c'est le retour de Sister sur le chat. Je voulais ton analyse du jeu, mais... Je sais pas, t'étais peut-être ailleurs, je t'ai demandé. qu'est-ce que je fais exactement? Je trouve que c'est assez dur d'analyser... D'analyser le sens du jeu... Tant qu'on n'a pas vu la fin, c'est ça? C'est exactement ça. Ah oui, mais c'est pour ça que je demande... est-ce qu'il a déjà une idée? On en parlera à la fin du jeu. Oui, tout à fait. J'ai pour deux secondes de spoil. Alors... Où vais-je? Dans quelle étagère? Je m'en souviens plus de ce qu'il faut faire. On va voir. Mais... Ouais, c'est par là. Sauvez Lula. Bon, bah tu verras ça à la fin du jeu. Laissez la surprise à ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est exactement ça, Sister. Je trouve qu'on a des éléments et on peut faire beaucoup de conjectures en fait, mais en même temps on est sûr de rien à chaque fois. C'est peut-être ça le tour de force du jeu. J'exagère un peu avec les lumières, mais j'aime beaucoup. Elles sont jolies quand même. Alors, si je me mets là-dessus, voilà, c'est pas pour moi. Bon. Portal aussi, il n'y a pas de dégâts de chute. Sauf que non, dans Portal, elle a des chaussures un peu spéciales. Bon, du coup, on n'a plus le double saut, enfin le saut jetpack là, c'est fini. Alors, ça fait quoi? Ça, c'est pour avoir le stock de notre coco. Ça fait disparaître les noix de coco. Les noix de coco, si je fais ça ou... Non. Ok, bon. Ensuite... Alors là, on a le stock de grenouilles. Il n'y a rien de caché derrière.
Alors ici, c'est pour le monstre. Voilà le monstre. Qui va encore s'énerver. Non. Laisse-moi tranquille. Allez, mange une noix de coco bleue. Oula, il s'est téléporté. Voilà, il a craché la grenouille. Sauf qu'il reste encore des grenouilles dans le coin, je crois, non? Ils ont peut-être disparu. Nous assistons en direct à la mort de Tim. Désolé. Merde, j'ai fait disparaître le monstre. Ah. Je sais pas pourquoi j'enlève ça, c'est débile. Et non mais... Bref. Déjà, on remet ça comme ça. Là. Bon, lol. Ah mais non. Je peux aller ailleurs, s'il te plaît. Sinon, je te fais disparaître. Hein, ça, voilà, c'est tout. Moi, je veux juste des noix de coco. Hein. Voilà, ça va ici. Alors je crois me souvenir de ce qu'il faut faire. Sinon on n'a pas trop regardé les dessins, les tags là, par ici. Il y en avait un autre ou pas? Je sais pas, moi j'aimerais bien qu'on me tague mes murs à côté de chez moi comme ça. Il y avait un truc comme ça pas loin de chez moi, et puis je sais pas pourquoi ils ont tout effacé un jour alors que c'était là depuis des années et que c'était archi beau. Il n'y a pas de respect, normalement les taggeurs ils doivent respecter les beaux trucs. Non mais c'était vraiment une œuvre d'art du même style. Qui ouais, ils ont remis une couleur uni à la place. Débile. Le tuyau il a mangé la grenouille quoi. Méchant tuyau. Bon, j'ai une box qui a bugué. Alors, 2 secondes. Hein. Voilà. Alors faut peut-être faire apparaître le monstre. Sauf que il y a peut-être des grenouilles dans le coin, ça va être le bordel. Non. Non.
Moi, sinon, j'ai craqué, j'ai acheté le Isaac Rebirth. Il est très bien. Tu l'as, Jim? Oui, enfin, j'y joue pas. Mais... Oui. Tu l'as essayé un peu ou quoi? Non, mais j'ai assez vu. Alors, il me faut une grenouille, apparemment. Alors là, on a grenouillé notre coco bleu. Oups. D'accord. Oh bah, oh, elle est pas venue avec moi, non, seriously. Oh, c'est pas possible. Choper la grenouille. Soundchecker. Je sais pas si on aura fini dans une demi-heure. Hein. Puis en plus, je me rappelle que c'est bientôt la fin. Ouais, on aura peut-être fini à minuit et demi, je sais pas, on verra. Ça vous laisse encore du temps. Où vais-je? Ah, tiens. Des grenouilles. Kiko, Aneo Senpata et à Papo et Taiki. Donc la musique de jeu est vachement belle. C'est prenant.
ça raconte des bêtises sur le chat. Voilà. Alors on a un aperçu de la vie chez Tim. Désolé. Au fait, à part ta Lulu là, quelqu'un d'autre dessine ? On va avoir qu'un seul dessin ce soir ou... Faut tout recommencer là, ça fait... Mais là. Y'a d'autres grenouilles comme ça ou... Non, tout le monde a disparu, c'est bon. Si, mais on entend tout chez toi là. Ah. Je vais m'y jeter là. Ah, faut tout refaire. Ça va être mieux. Voilà.
T'as fait quoi? T'as baissé le son? J'ai baissé le son minimum. Sur le, l'activité vocale? Oui. Ouais. Faut pas être pressé, hein. Je suis une sauterelle. Vraiment pas loin de la fin du jeu. Non, ça va prendre un petit moment quand même. Une grenouille, oh mon dieu. Ils sont trop mignons. Ouh là là. Où est-ce qu'on a une autre coco bleue dans le coin? Là-bas.
qu'il y a moyen d'isoler cette grenouille ou... Va forcément se balader partout, c'est débile. Mais lol, il y a une grenouille à chaque fois, mais non... Ça va pas être possible, ça. Ah non, mais je sais ce qu'il faut faire. Je suis con. C'est pas vrai. Mais... Oh, c'est pas vrai. Voilà. Et où? T'as déjà essayé ça, de prendre une grenouille et de la balancer sur un mur pour voir si elle disparaît? Mais putain, c'est pas vrai. Peut-être qu'on aura fini à minuit et demi. Peut-être. Thank you.
Tico. Osomze Adinama. Hapa onalula. Se vodiase tanu papo. Tabaliesa. Sau vareya. Dado qui, Kiko. Oh le bug. C'est le bug. Ah non, c'est pas le bug. Ah non, j'ai trop... j'ai cru que les flammes du monstre se déplaçaient sans lui. J'ai craqué. Là, je sais plus s'il faut faire. Ah mon dieu. Ah, je sais absolument plus. Ah, ça me paraît.
Alors. Et donc, c'est le retour de Lula. On a remis des piles. Oh, mais n'importe quoi, ça. Ah mais c'est pas mal ça non plus. Alors là, que faut-il faire exactement ? Ah, c'est pas vrai. Lula. Ça fait quoi ça? J'en ai besoin de ça. Ah oui, non, mais... J'ai le jetpack. Là, voilà, doucement. Ok, donc... Ça sert à quelque chose, les packs, là. LOL. Thank you.
Il y a quelqu'un qui est arrivé sur le chat là, je vois pas. Perte de mémoire. Je suis tombé. J'ai pas compris ce que t'as dit, Tim. C'est Dirt Domin qui est arrivé, je crois. Retardataire. Est bloqué. D'accord. Je pensais qu'il allait monter. Sinon c'est un bug, je sais pas. Mais lol, c'est pas vrai.
Ah, c'est bon. Elle est où? Oh, mais c'est pas la première fois que ça arrive, ça. Pas vrai. Ah, voilà. Box qui fait du caca. Bon, du coup, si ça a coupé au même moment que moi, ça se verra pas sur YouTube d'ailleurs. Si vous avez raté ça, le monstre a mangé la fille. Voilà, normal, tout va bien. Ça tient, ça. Bref. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais lol. Bref. Je sais très bien ce qu'il faut faire. Ça, là, tu me suis, non, oui, non.
que ça suffit si je fais ça? Tout à fait. Que j'aime bien. Il faut arriver au bout de la ligne. Alors attention, vous allez me dire quel film ça vous rappelle. Inception. C'est la fin là. Ouais, bientôt là.
bon bah adieu, adieu Blacky, hein, tu verras pas la fin du jeu, tant pis. Reste 10 minutes, reste. Surtout que c'est le moment où on nous explique tout. Ah, c'est tout de suite en fait la fin. Franchement, il reste 10 minutes grand max. Hein. Il est où le levier en fait? Ah non, faut monter. Là je monte là. Ça se voit non? Ou je suis pas sûr. Il y a l'ombre qui bug un peu, tant pis. Je pense que ça va être comme ça. C'est un pof fumé de Tister sur le chat. Alors. Attention. Lula el super robot. J'ai un écran noir sur Hitbox là. J'espère que vous ça va. C'est bon. Bon, voilà, c'est la magie d'Hitbox. Ensuite. Voilà. Donc les fameuses grenouilles. Fin dans 2 minutes. Voilà. Les grenouilles, c'est l'alcool. Donc le monstre, voilà, c'est le père. La fille, je sais pas, c'est une petite amie sûrement.
que son père a pas dû accepter. Bon, là, on a clairement une bouteille d'alcool. Qui devient une grenouille de l'autre côté. Bien, trouvons l'explication si jamais tu es trop bête pour comprendre. Ouais, c'est jamais. Qu'est-ce que je dois faire là vite fait? Là, je sais plus ce qu'il faut faire. Et le freeze. T'as eu un freeze? Ouais, bah. Ouais, c'est peut-être moi. Mais non, mais j'ai pas de jetpack. Bon, une fois qu'on l'a énervé là, qu'est-ce qu'on fait? J'en suis un peu. Pas énervé, je crois. Placement de produit pour Jack Daniels. Ah voilà. Bon, maintenant il est complètement torché. Là, c'est vraiment la fin.
Voilà, voilà. Alors, qu'en dites-vous ? Je me souviens, il y a en 2012, là, j'avais fait avec nous, ça m'avait tellement... J'attendais tellement pas cette fin, en fait, c'est... C'est surprenant, et ouais, c'est... Ça fait prendre vachement d'ampleur au tout. Ouais, c'est super joli. Donc voilà, le gamin, il a sûrement eu une enfance de merde à cause d'un père alcoolique. Père alcoolique. Et le gamin, il lui donnait tout le temps des bouteilles, apparemment. Ou ça arrangeait pas le truc. Je pense pas qu'il avait vraiment le choix. Qui devenait violent dès qu'on lui donnait de l'alcool, et puis alors qu'il en demandait tout le temps. Bon, la fille, je sais pas, c'était peut-être une petite amie, et puis le père, il a pas trop apprécié, il l'a viré, je sais pas. C'est quand même le quotidien de beaucoup de gamins dans les favelas, c'est ce genre de truc. Au final, le message se veut assez réaliste. Hein. Ah oui, puis alors au final, tu vois, il n'y a même pas de remède, il n'y a même pas de solution. Abandonne-le, voilà. Fais ta vie. Pas très positif, mais bon. Et donc, en fait, c'est l'histoire du développeur du jeu. Voilà. Il a adapté son histoire en jeu vidéo. Je trouve que ça rend d'autant plus fort, en fait. Il avait envie de le partager. C'était important. Alors du coup, l'analyse de Sister, moi j'attends. Ça m'intéresse. Oh, Sister, c'est tellement bien dit. La fin, c'est pas la tristesse. Donc ouais, je sais pas, peut-être qu'il allait dans le placard de sa chambre pour s'isoler dans son monde. Je sais pas. Bref. Pour s'isoler quand le père il était violent. Devenir un monstre. Ah oui, puis il y a les flashbacks aussi qui nous montrent que le père il a dû tuer quelqu'un sur la route. C'est peut-être à ce moment-là que le fils le considère comme un monstre. On voit l'ombre d'un monstre sur le mur. Je sais pas si t'as vu ce passage-là. Non, j'ai pas vu. J'ai pas fait attention.
trouve que ce jeu, c'est une très belle... comment dire... Ça fait passer un message qui, bon, qui est pas très joyeux, mais d'une très belle façon, quoi. C'est profond. J'allais dire c'est poétique, mais bon, ça veut tout rien dire. Bon, le chapeau qui est apparu là, c'est juste que si on refait le jeu, on gagne un succès. Si on trouve tous les chapeaux cachés dans le jeu, ça ne sert absolument rien et la fin ne change pas. Juste histoire de refaire le jeu. Trouve tout les trucs cachés. Bref. Ah oui, ça fait des grenouilles quand on fait des choses sur le menu. C'est rigolo. Bon. Et maintenant, je vais regarder les dessins. Bon, je suis un peu obligé de couper la musique, je suis désolé. Alors, les dessins, attention, salut. Bon, alors je sais pas si j'attends un autre dessin que celui de Talulu. Personne m'a rien dit, alors voilà. Alors, sister, je te connais pas. Je t'aime déjà. Voilà, donc. Les dessins, c'est triste, on n'en a qu'un seul. Après, je sais pas, est-ce que j'attends la semaine prochaine voir si je reçois un autre dessin Bref. Alors. Alors. Je suis pas sûr de comprendre le dessin en plus. Alors, bon. Dites-moi tout. Allez-vous dessiner quelque chose? Ah mon dieu. Bref. Bon, bah, je vais afficher l'unique dessin alors. Bon, eh bien, voici voilà, si j'y arrive, voici. Le dessin de Talulu. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'il y a en dessous de la boîte. C'est la main du monstre, non? Y a pas de classement, sister. Pas de classement dans les dessins. Fut un temps où il y avait un classement, mais c'était il y a 3 ans, quand on avait une centaine de dessins reçus. Bien, t'as lu les compositions un petit peu épurées comme ça.
Bon, bah, c'est le pied du monstre. Voilà. Continuer dans les compositions comme ça où il y a, alors, il y a peu de choses, mais où chaque élément a sa place dans le dessin. Il n'y a pas 30 millions de détails, ça permet de donner plus d'importance au niveau du sens à chaque élément. Tu vois, la boîte, elle est centrale et on peut se poser pas mal de questions dessus. Ça, c'est la boîte, enfin les boîtes qu'on trouve par moment dans le jeu pour nous indiquer ce qu'il faut faire. Il faut se les mettre sur la tête et il y a les réponses à l'intérieur. Si t'as pas vu au début du jeu, Tim. D'accord. Bon, je... Pardon. Ouais, non, on n'a pas reçu d'autres dessins. Bon, bah voilà. Vous m'avez pas répondu, et quelqu'un va nous faire un dessin pour la semaine prochaine, J'en ai pas, malheureusement. Bon, voilà, Talulu, c'est la star de ce soir, voilà. Vous verrez pas d'autres dessins. Là, c'est tout. F. Bon, et bien les gens, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Et je pense que le jeu... Alors, il faut que je vérifie le Stropole. Alors, Twitter, que je retrouve le lien du Stropole. Le joli dessin sur Ico, tu parles du dessin de Freya. J'ai jamais vu la suite du dessin. Elle est assez occupée, Freya, en ce moment. Puis elle avait pas terminé non plus Ori. Je lui redemanderai quand elle sera un peu plus dispo. Il est où le Stropole? Et voilà. C'est vrai qu'il a l'air motivé pour Brutal Legend. Ouais. Bon. Bref, je pense que je sais quoi faire la semaine prochaine. J'avais intérêt à dessiner plein de choses cette fois-ci. Je sais plus qui était pas là ce soir. C'était Atsuko, je crois. Atsuko ? Non, je sais plus. Quelqu'un qui voulait faire des dessins sur trois jeux en particulier. Atsuko voulait faire des dessins sur Okami, Limbo, Flower. Bref. Bon. Bon, bah, c'était très la tristesse aussi du côté des dessins, du coup. Il n'y a pas eu grand chose. Bon, les gens, bonne nuit. Bonne nuit, Jean. La semaine prochaine pour le nouveau Drawing Game Together. Et puis sinon, peut-être que je ferai des lives random le soir. J'ai Broken Age à continuer. Je pensais faire ça lundi soir, mais peut-être que je serai pas dispo. Alors peut-être plutôt mardi soir pour l'acte 2 de Broken Age. J'ai recommencé le jeu avec Archibald. Je ne sais plus qui sur le chat. Bref. Bon allez, bonne nuit les gens. Et bonsoir. Bonjour.